Coucou à tous! Et oui, nous sommes perdus dans un labyrinthe de maïs. Nous sommes à Guérande. C'est une des activités à faire autour du VVF Village de la Turballe où on est en vacances. Et du coup, ça s'appelle le Popcorn Labyrinthe puisque c'est un labyrinthe de maïs, comme vous pouvez le voir. Donc là, on est complètement perdus. On a franchi la deuxième étape, il y en a 6 au total. En moyenne, on met 1h30 pour sortir ce labyrinthe. Je veux sortir du labyrinthe. Est-ce galère. Qu'on va être dans elle la me moyenne fait faire du sport et là, elle me perd dans un labyrinthe. Je suis tombée dans un guet-apens. On est perdu dans le labyrinthe. Ouais, c'est un vrai guet-apens pour toi. On s'amuse, on a fait 2 étapes avec des jeux. J'ai remporté la deuxième étape. Sauf que la troisième étape, je ne sais pas combien de temps on va mettre pour l'atteindre. On est complètement. Qu'est-ce que tu veux dire, mon chouchou? En fait, c'est quand qu'on va trouver le panneau? Eh ben, on le cherche là. Justement. Vous êtes la meilleure, géniale, dit Lydia. On va le faire avec vous, hein. On va être perdu avec vous. Je on comptais pas être perdue toute seule. Hein. Je le prends très mal. Voilà. Alors. On est déjà passé par là. Je coupe pas. Ouh. Par là. Regardez. Donc là, c'est super sympa. Ça s'appelle le labyrinthe de Popcorn. C'est à Guérande, donc c'est à 8-10 km de là où on est. Donc vraiment très cool, les labyrinthes végétaux, il y en a un petit peu partout hein, en France, mais là en Bretagne on a choisi, comme vous pouvez le voir, le temps pourri pour le faire, bon pas de chance, mais il a fait beau les derniers jours, on a profité de la piscine, de la plage, de plein de choses, donc ça c'était vraiment chouette. Donc on continue, regardez, hein, il n'y a pas de... C'est... On ne sait pas en fait, on fait au hasard puisqu'il n'y a pas d'indication. Alors... C'est le principe du labyrinthe. Je ne sais pas si vous en avez déjà fait. Comment vous vous êtes perdu? Bah en fait, on est rentré dans un labyrinthe piège et on marche dans les allées des maïs. Mais ah oui, on est sur nos pas. Vous voyez, les maïs sont très hauts à cette période, donc ils sont plus grands que moi. Donc Hugo connaissait pas, donc il est super content de découvrir ça. Oui, chérie. Toi, t'es déjà allée? Eh ben, j'étais jamais allée dans un labyrinthe de maïs, donc... Oui, chérie? Pourquoi on ne peut pas passer par là? Bah, parce qu'il n'y a pas de chemin, donc là, c'est encore pire, on va se perdre. Et il faut rester réunis... Non. C'est quoi? Non, oh non, on est retourné à la même étape! C'était la deuxième étape que j'ai remportée, mais en fait, ça fait 3 minutes, 5 minutes qu'on tourne pour retourner au même endroit. Eh, c'est le projet Blair Witch, les gens, là. Oh non! Mais alors, c'est Blair Witch. Eh ben, écoute, on va aller ailleurs. Mais non, on continue, c'est juste qu'on n'a pas pris le bon chemin. Bah non, ça c'est sûr qu'on n'a pas pris le bon chemin. Je crois que j'avais compris. Mettez des pouces bleus pour NJ perdu. On tourne à gauche. Bah, non, on est allé par où tout à l'heure? Faut faire l'inverse. Par là. Par là? On va aller à droite. Bah oui, mais c'est pareil. Ah non, on va aller vers la droite. Parce qu'on est non. Passé moi j'ai pas de sens d'orientation, alors dans un champ de maïs, c'est encore moins quoi. Je veux dire, pour aller à 200 mètres de chez moi, j'ai déjà pas le sens d'orientation. Non mais on va trouver, en moyenne c'est 1h30, nous ça fait quoi, une demi-heure, on est déjà à la deuxième, on cherche la troisième. Je pense qu'il faut peut-être retourner par là et vers la gauche. Oui, allons-y. Je sais pas, tu vois, c'est peut-être un piège. Là, par là. Parce que là on est allé par là. Non, allez par là. Bon, moi je sens bien par là. Ou par là-bas, non? Non, on en revient. Ah oui, mince. On est déjà allé. Il fait suivre que ta main droite, ça doit faire un peu peur, non? Non, pas du tout, c'est rigolo. On est à l'air libre, c'est pas un escape game, on n'est pas enfermé dans une pièce, donc ça va. Mais là, c'était vraiment drôle de retomber sur la deuxième étape. Et puis en la plus, deuxième Angélique étape... était super contente, elle a dit « Non, il y a un panneau !» C'était non, la deuxième étape. J'y ai cru, mais c'était la deuxième non, étape. C'était une fausse joie. Je sais pas si vous avez vu ma première vidéo qui est sortie hier soir à 18h sur justement notre arrivée dans notre VVF village, donc c'était vraiment sympa. Avec Eva, on a dansé, on a chanté, on a déconné. Ouais, c'était super. Donc la vidéo est très cool. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, c'est parce que c'est Anya qui court trop vite. Anya court trop vite. Tu peux faire un bisou à Hugo de ma part. Pleine de boue. Louise Bassler, elle te fait un bisou, Hugo. Bonne chance de Sylvie Forêt. Je t'aime de Lisea Tais-toi. Bon, non, je t'aime, ça fait très ne te tais pas. Nous aussi, on t'aimait. Au revoir, on est perdu. On va toujours le sourire. Bah, franchement, je suis en vacances dans un champ de maïs, mais que demander de plus? Avec des super potes. Avec des potes géniaux. Ben ouais. Avec lesquels j'adore me perdre. Oh oui. Oh le pauvre. À 23h, on sera encore en train de tourner, mais c'est pas grave, on a. C'est la première fois que je te vois en direct, dit Elena. Alors, il y en a plein qui vont me voir pour la première fois en direct, parce que d'habitude, peut-être que vous n'êtes pas disponible le mercredi. Et là, bah, je fais des directs un petit peu.
non planifié dans la journée, donc dans le maïs. Parce qu'on est en vacances, donc ça change un peu les règles. Je reste sur mes vidéos le jeudi, le dimanche, je vais essayer. Mais le direct du mercredi, je le reprendrai vraiment à la rentrée. Sinon, je ferai plein de directs. On est déjà passé par là. Ouais, je crois qu'Hugo, il a raison. On est jamais là. Non ? C'était pas aussi bas. D'après vous, on va où ? C'est eux qui vont choisir. À gauche ou à droite, regardez. C'est le livre dont vous êtes le héros. Ouais, c'est le livre dont vous êtes le héros, là. C'est le labyrinthe dont vous êtes le héros. C'est la gauche. Attends, on attend. On attend les réponses, là. T'es belle. Merci, Jade. Je suis en Algérie, je regarde toujours mes vidéos. Bisous à l'Algérie. À droite, ils disent tous. À droite. Je sens pas, je sais pas pourquoi. Vous, ils nous disent à droite, ils font exprès pour qu'on se perde. Non. Ok, on va à droite. Franck Lavenant nous a dit à droite et Slater aussi. En tournant rond. Ah non, en tournant rond, t'as raison, Hugo. On est dans un en tournant rond. Il y a des maïs de votre taille un peu là. On est dans un cul-de-sac, comment on va faire? On va retrouver Elodie. Non, là, on a tourné, on a retrouvé Elodie. Bon, c'était pas à gauche, ni c'était ni à gauche ni à droite en fait. C'était un cul-de-sac. On va aller à droite. On tourne rond. Non, je peux pas aller. Maman, à droite. En fait, nous. Ouh, il y a des bulles, regarde. Il y a des bulles. C'est des effets qu'on peut faire, c'est super sympa. Et là, j'ai un effet. Ouh, arc-en-ciel. Je savais pas qu'on pouvait faire ça pendant le direct. Là, j'aime bien, ça fait un joli filtre. Oui, mon chéri. On peut faire les bulles. Ouais, regarde les bulles, c'est trop bien. Regardez les bulles. Waouh. Attends. Non, attends. Je vous aime, je vous adore, Romane des filles. Gauche. Ah, on est arrivé à l'étape 3. Wouh, on est trop fort. On est trop fort. C'est toi qui l'as trouvé, Nia. C'est qui les meilleurs? C'est qui les meilleurs? Si on nous regarde là. Regardez ce que c'est. On va aller voir le jeu qu'il faut faire. On va aller voir les règles. Alors attends. Donc en fait, c'est comme Fort Boyard, mais dans le maïs. Ok. Vas-y. La boîte aveugle. Terminer en premier son code. Ça, c'est le but du jeu. Chaque joueur se positionne devant son poste de jeu. Une main dans le dos. Vous devez sortir de la boîte une balle à la fois et la placer sur le code devant vous, si elle correspond. Si elle ne correspond pas, la replacer dans la boîte aveugle et recommencer jusqu'à terminer le code. Attention, les balles doivent être sorties une par une. Tout joueur qui ne respecte pas cette règle est éliminé. Et donc, le nombre de points sera en fonction... établir un classement entre les joueurs. Si deux joueurs sont en premier, deux points. S'il n'y en a qu'un seul, un point. Enfin bref, voilà. Pourquoi tu cries, Hugo? Alors attends, c'est quoi cette histoire de code? Ah oui, d'accord. Il faut choisir... Non, on commence pas, les enfants, là. À l'aveugle. Bon, qui va gagner? Alors, comme ça, vous allez faire cette troisième étape avec nous. Vous savez ce que vous allez faire? Vous allez nous regarder parce que nous, on a suivi avec Angélique. Les règles. On va vous montrer, ou avec Elodie. Donc on va commencer. Moi, je sais comme ça. Non, vous nous regardez. Il faut pas faire en même temps. Une main dans le dos, c'est pour montrer. Regardez-moi, une main dans le dos. On nous regarde. Hugo, une main dans le dos. Vous tirez au hasard, on mélange. Ah oui, mais c'est là. Donc on repose. Hein? Pourquoi? Parce que, attends, je vais comprendre. Parce qu'elle est verte, il faut commencer par une bleue. Oh non, ah oh oui. Il faut faire en même temps jusqu'à ce qu'il y en ait un qui a trouvé, non? Hugo. Oui, au premier qui trouve, au deuxième. Après, c'est une course, en fait. Ouais, c'est-à-dire que là, j'ai trouvé la bleue. Mais bon, il faudrait... La bleue, c'est pas bon. Oh non! Ce qu'il faut, c'est qu'on se mette peut-être plus de balles parce que. Mais on met où la verte? Attends, parce que c'est. En fait, il faut commencer par la gauche et aller vers la droite. Il faut trouver les couleurs d'abord, les premières. Bleu! Non, mais c'est dans un sens ou dans l'autre. Non, c'est pas bon. Ania, ouais. Si tu commences par la droite, il faudra continuer, trouver une jaune, trouver une verte, trouver une jaune. Donc, ouais. Bon, allez, on commence. Moi, on commence. Ouais. On fait tous en même temps alors. Tous en même temps. Elodie, bon, qui va gagner? Qui va être le premier? Qui va être le deuxième? Donc, Hugo? Regarde, il faut d'abord trouver la bleue, après il faut trouver une jaune, après il faut trouver une jaune, après une verte. Donc d'abord tu trouves une bleue. Si tu trouves pas la bleue, tu remets dedans, tu recherches, d'accord? Il faut bien... Pareil, Ania. Alors. Prêt? Non, commence pas. Ania, faut que tu commences par la jaune et Hugo la bleue. Allez, 1, 2, 3. Ah mince, une jaune, c'est pas ça. Oh non, une verte. Non, une jaune. Oh non. Non, une rose. Hugo, continue de chercher, nous aussi. Ouais, une bleue, c'est bon. Hop. Ou une bleue. Une jaune, c'est bon. Une jaune, c'est bon. Ania a gagné. J'ai plus qu'une verte. Ania a gagné. Deuxième. Une bleue. Merde, une verte. J'ai... Ouais, troisième. Allez, Eva, Hugo. On a une jaune. Une jaune, vas-y, Hugo. Encore une jaune. Vas-y. Allez. Cherche. Vas-y, mon cœur. Non, une jaune. Vas-y, cherche une jaune. J'ai gagné. Ah bon. Non, oui, une jaune. Ouais, bravo, Hugo. Alors. Allez, la verte, allez, maintenant. Encore, Hugo. Encore une verte. Encore une verte, chérie. Fais les points. Fais les points, Elodie. Bon. Je suis arrivée troisième, c'est pas mal quand même. Oh non, moi j'ai plus envie de jouer à ça. Bah oui, parce qu'il est arrivé dernier. Yeah, c'est comme bon, et du coup, on... Gagné.
Du coup, on définit. Il y a les points qui sont notés en fonction. Anya. Première non. Anya. C'est combien de points? 5 points. T'as 5 points, Anya. Deuxième. Et moi? Quatrième. Toi, tu vas avoir. Ensuite, ce sera. J'ai 5 points. J'ai soif. T'auras 2 points, je crois. J'ai soif. Oui, chérie, on demande de l'eau, s'il te plaît. Ça veut dire que t'as 10 points. C'est bon. Bon, bon, on va retourner maintenant. On va chercher la quatrième étape, sachant qu'il y en a 6. Oui, je vais te donner à boire, mon cœur. Tiens, est-ce que tu peux me tenir le téléphone? C'était rigolo. J'aime bien l'effet de bulle. J'ai pris des petits trucs pour grignoter si vous avez faim. Ouais, bah ouais, les chips et tout. Regarde, maman, ce qu'on peut faire. Ah oui, on peut faire des effets, c'est rigolo. Regarde, maman. Ah ouais, génial. Je vois, chérie. Tout mon pain. Et l'effet de bulle. Regarde, l'effet bulle, il est génial. J'adore vos vidéos. Un morceau de pain. Un morceau, pareil. Mettez des... Non, il n'y a pas eu. La petite triche, il y en a une qui a dit qu'Anya avait triché. Ah bon? Je sais pas. On n'a pas vu, nous, hein, mais ça se trouve, elle avait mis dans les couleurs. Maman, regarde. Maman. Elle était dénoncée par... Regarde ce qu'on peut faire aussi. Ah oui, on peut faire plein d'effets. T'es le plus cool, Marie, qui dit. Coucou, moi, je vais en Normandie dans 3 semaines. Tu vas t'éclater, Julien. On est en dessin. Ah ouais, c'est trop bien, c'est trop beau. Regarde, on est en dessin. Alors, on y va? Ouais, c'est par là. On avance, allez. Tiens, bois ton eau, chérie. Oh non, on est en dessin. Maman, on est en dessin. On est bientôt à la moitié. Ouais, on est en dessin, c'est rigolo, ça. Hé, là, on est en... Allez, on remet en normal. Moi, j'aime bien... Ouais, non, quoi, comme ça. Comme ça, c'est glamour. J'ai l'air glamour. Attendez-moi. Je veux pas me perdre. Parce que alors là, si t'égares tes coéquipiers, t'es mal. Hein. Je suis là. Ah, tu es là. On a failli te perdre. Si vous voulez qu'on perde Angélique, mettez un pouce bleu. Ah non. Tu vois, il y a 368 pouces bleus. On va voir si ça monte d'un coup. 368, qui veut faire perdre Angélique? Est-ce qu'on perd Angélique ou pas? Pouce bleu. J'adore tes vidéos, Mathéo. Tu vois, 79. Ah, ça monte, hein. Bon, 424. Mettez plein de cœurs pour Angélique si vous voulez pas qu'on la perde. Une dédicace à Lorraine Miguel. Ah, l'eau. Tiens. Attends, je tiens. Voilà. Je crois que le temps est en train de tourner à la pluie. Ah, je peux la voir, s'il te plaît. Attends, parce que je vais la redonner à maman. Allez. Je redonne à maman. Allez. Attends, chérie, parce que les gens, ils regardent en direct, là. On va pas faire n'importe quoi. Je veux faire des effets, moi. Je veux faire l'effet de dessin, j'adore. Allez, c'est reparti. Ah, non, c'est reparti, on va chercher. On le fera tout à l'heure. Là, on recherche la route. Donc là, on cherche la quatrième étape. C'est vraiment rigolo, hein, puis de faire ça avec vous. Donc, on entend des gens. On entend des gens. On voit un parapluie. Il y a quelqu'un. Par là. Ah oui, par la droite. On a triché. On en est à la 4. On arrive à la quatrième étape. Il se passe des choses dans notre labyrinthe, hein. Pas de quoi s'ennuyer des heures entre les maïs. Regarde le parapluie breton. Ah mince, il y a LPS qui dit à la triche, Anya. Elle avait déjà la boule aussi. J'ai honte, Anya. On n'a pas vu, nous, du coup, on était dans le truc. On a un parapluie de secours. On a trouvé une coéquipière, c'est l'animatrice. Oui, on va le montrer après, Hugo. Attends, on montrera après. Quoi? Il est sauvé, ce parapluie. Non, pas tout de suite, Thierry, parce que là, on est en train de parler à nos abonnés. Tricher, dédicace à Léla, Crit Grimbert. Oh, mais t'as le même nom que moi, presque. Bah oui, parce qu'on n'est pas sur la bonne route, c'est ça. Angie est perdue, il n'y aura plus de vidéo. Lololol. Je veux faire comment? Les autres sont arrivés de par ici. Ah oui, donc ça, c'est ah bon, pas un bon coup. De quelle étape? Bah, de la 3. Ah mince. Donc ça veut dire que la 4... On a des indices, quand même. Je veux faire après, Hugo, pas tout de suite. Là, on cherche la quatrième étape. On va par là. On a eu un indice là qui a été donné. Visiblement ceux qui revenaient. Et n'empêche qu'ils viennent de revenir de la troisième alors que nous on est arrivé une demi-heure après. Hein. On a commencé une demi-heure après donc je veux pas dire. On a été rapide. Non, ils sont passés il y a 20 minutes. D'accord, bon, on est pareil. Oui, plus tard Hugo, là on est en train de chercher. Ah. Attends. Bah ouais, je sais pas, ça a l'air de tourner en rond. Non, on va par là, regarde. C'est marrant de le faire avec vous, en tout cas. Trouve l'intrus. Ça y est, on a trouvé la quatrième étape. Wouh! Ah bah non, il y a un problème. Pourquoi? On peut pas la faire, la quatrième étape. Pourquoi? Si, en fait, il faut prendre un petit caillou. On nous a volé les balles, mince. En fait, ils
Ah, il y a eu un cambriolage cette nuit dans le labyrinthe. C'est quoi un cambriolage? Un cambriolage, chérie, c'est quand... Ah mais d'accord, on pouvait arriver. Il y a l'entrée qui est là. Vous pouvez venir direct à la quatrième étape, quoi. C'est le chemin de secours. Je vous ai mis des cailloux pour jouer. Parce qu'on a pris les balles. Donc la dame du labyrinthe. Qui prend un but. Oui, on va t'expliquer. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut jouer. C'est quoi le camp? Celui qui se prend le caillou dans la figure et qui a un œil au bord nord a perdu. Il faut enlever ou pas là? On enlève ça. Oui, il faut enlever les trappes. Vous enlevez les trappes? Attends, c'est fort brillant. Ah oui, d'accord, il y a des trappes. Mais c'est passé quoi? Mais il y en a que 4, je crois. Il n'y a pas 5. Il n'y a pas 5 palais. Non, il n'y a pas 5 palais, il n'y en a que 4 et on est 5. Bah, on fait 3 par. Il y a de la marche à faire dans le labyrinthe, mine de rien. Bah, il faut enlever la trappe, Hugo. Comment? Ouais, enlève la trappe, chérie. Ouais, mais il faut quand même qu'on joue avec eux parce que. Eh bah oui. Alors, on va dire que c'est Elodie et Hugo qui jouent là. Non, c'est mieux de mettre Anya et Hugo et en face peut-être. Parce qu'ils sont au même niveau. Hein. Ouais, voilà. Viens à la place d'Elodie, mon chéri. Voilà, et là vous jouez. En fait, là c'est Hugo et Anya qui vont jouer, donc les deux petits. Donc qui va mettre le caillou dans le trou de l'autre? Il faut faire très attention de ne pas lancer le caillou en l'air pour ne pas blesser l'autre quand même. Hein. Regarde Hugo, viens voir. Essaye, vas-y, lance le caillou doucement. Non, pas avec la main. Avec le galet, avec ça, regarde. Regarde. Et t'essayes de viser le trou d'Anya. C'est bizarre ce que je dis. Non, t'essayes de viser le but d'Anya, qui est là. Je vais laisser comme ça pour aujourd'hui, ça va le faire. Hugo, essaye de viser le but et Anya essaie de viser le but d'Hugo, d'accord? Ouais, c'est un peu dangereux, je trouve, hein, parce qu'avec le caillou, imagine, ils font comme ça. Il faut vraiment que tu fasses comme ça et il ne faut pas le faire sauter le caillou parce qu'il ne faut pas que ça arrive dans le visage d'Anya. Hein. C'est très dangereux. Anya, il faut que vous libériez le trou. Hein. On va changer, c'est... Je pense que l'idée d'être un bout et de devoir viser dans le trou, ouais, chacun avec la main pour glisser comme ça, ça va être plus facile. Ouais, on va faire ça, on va faire avec la main du coup. Avec les petits, c'est un petit peu dur. Mais ça, c'est pour protéger. NJ dédicace à Ramzigta 5. Angie, tu es trop belle, merci. Leïla Chris Grimbert. Dédicace, s'il te plaît. Donc, dédicace à LPS Luna officiel. Dédicace à Aurélie officiel. Tu t'enlèves, chacun votre tour. Il n'y a pas de. Angie, maman 2.0. Merci, Marie Tito. Je suis à l'hôpital, je pense à toi. Bah, c'est moi qui pense à toi pendant ton opération. Bon courage, Yéna Loyer. Si vous êtes perdu, je peux vous dire comment sortir. Là, j'ai déjà venu là. Et il y a Nounou Coelho qui a déjà fait son bien et il peut nous indiquer la route. On va pas tricher quand même. Tu es trop belle, Angie. T'aimes l'athlétisme? Ah, j'adore l'athlétisme, le Congolais pur. J'en ai fait de l'athlétisme. J'ai été 3e départementale en sprint. Voilà, donc Hugo est éliminé. Nous, on a eu de la pluie. Bah, nous, ça va. Hein, on touche du bois de maïs. Ah non, il y a du bois. On touche du bois. En tout cas, on va vous laisser là pour la suite et je vous tiendrai au courant de ce qui s'est passé. Mettez des pouces bleus maintenant pour cette belle vidéo qu'on vous a faite. Et ce soir sortira la vidéo du premier jour au sein du VVF Village. Donc là, vous avez une autre arrivée hier à 18h. Donc n'hésitez pas à aller voir ma vidéo. Et ce soir à 18h, vous aurez notre premier jour, donc la rencontre avec les animateurs, la présentation, le pot d'accueil, le programme, etc. Je vous embrasse très très fort. Dédicace à Christophe. Ah, une abeille. Garinavo. C'est quoi l'appli ton direct? Bah, c'est l'appli YouTube en fait. Dédicace s'il te plaît à KFR. À Paris il pleut. Bah, bon courage aux Parisiens, Alexia. Dédicace à Lille Off, à Caméléon King. Nous on a eu de la pluie. Et plein de pouces bleus et plein de bisous à vous tous. Bisous.